Chers collègues, la loi que vous proposez est complètement déconnectée de la réalité des gens. Comment pouvez-vous criminaliser des gens qui fuient la misère et l'injustice du froid? Moi, j'ai connu la galère et la misère, la vie dans un squat et l'exclusion avec un bébé dans les bras. Je vous le dis, j'ai honte qu'une telle loi me réprime le fait de se loger avec dignité. Et je répète, dans votre tête, personne ne veut se demander où est-ce que je vais dormir ce soir. Personne ne veut se demander est-ce que j'aurai assez chaud ce soir. Se loger n'est pas un crime. Les gens qui essaient de suivre ne sont pas des criminels. 3 ans de prison, 45 000 euros d'amende à des gens qui n'ont rien, qui n'ont pas de logement. Vous êtes déconnectés des réalités de la vie. Pour finir, on ne résout rien en rajoutant du malheur aux malheureux. Il faut trouver des vraies solutions et elles passent par une vraie politique. Merci de conclure, chers collègues.